Sadio Mané, merci. Sadio Mané, jërëjëf. Sadio Mané, alhamdoulillah. Sadio Mané, an jaarama. Ni nga coupe bi dëkk ba luñ soxla woon pendant 50 ans suñu mami, suñu papa yi ñëpp contane nañ. Non, vraiment machallah gaay ñëpp contane nañ. Gis ngeen sama vidéo bu ma nekkon du joy et tout. Franchement, voilà, j'étais vraiment ému et c'était vraiment la fête. Je l'avais dit les gars que dimanche C'était la fête pour le peuple sénégalais. Et voilà, ils l'ont fait, les gars. Donc, sans plus tarder, le débrief. Donc, voilà, les gars, avant de commencer ce débrief, je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu. Le projet, il vient de commencer. C'est pas fini. Les vidéos, ils vont venir. Donc, voilà, je remercie toute ma team. Je remercie ma famille, mes amis. Bon, voilà, quoi. Je remercie tout le monde. Je remercie les nouveaux, tous les commentaires. Donc voilà, merci beaucoup. Et je remercie surtout l'équipe. Je remercie Alucis et son staff, les joueurs, l'équipe nationale du Sénégal. Je remercie aussi son excellence Macky Sall. Donc voilà, je remercie tout le monde. Et franchement, cette vidéo, elle est à tout le monde. Cette vidéo, elle est dédiée à tous les Sénégalais. Et puis voilà, Ndambrek. Manko Djeli Ndambrek, c'était ça le slogan du Sénégal, les gars. On l'a fait. La coupe, elle est à la maison. Cette année, on a vu que voilà, on avait vraiment quelque chose. Ils ont montré que voilà, il y avait la cohésion, que l'équipe, il était soudée, qu'on avait un noyau solide. Et puis voilà, toutes les personnes qui étaient impliquées dans ce tournoi-là, c'était incroyable. On a vu Diao Baldé Keita, qui était le 13e Guindé. Il a jamais lâché, même s'il était sur le banc. Il montrait à chaque fois qu'on était une équipe soudée. Que voilà, le Sénégal, vous l'avez entendu, les joueurs, ils ont dit carrément avant d'aller à la CAN, avant d'aller au Cameroun, ils se sont vus, ils se sont posés, ils ont parlé normalement et puis voilà, ils ont réussi à avoir les bons mots. Ils se sont dit que voilà, cette année, on va aller remporter cette coupe, on va se réunir pour aller amener la coupe à la maison. Manko, dem outi, koubi, indiko Sénégal. C'est ça qu'ils ont fait, les gars. Donc ce débrief, je vais le découper en trois parties. Dans la première partie, je vais résumer le match avec mes mots, avec mon ressenti, avec ce que j'ai vu. Et ensuite, dans la deuxième partie, je vais faire une analyse tactique du match. Je vais un peu décortiquer voilà, ce qu'Alun Cissé il a proposé et ce que l'Égypte, ils ont proposé. Pardon. Mais même si l'Égypte, ils ont presque rien proposé. Et après, en troisième partie, pour finir, donc voilà, je vais faire un bilan de l'équipe du Sénégal. Je vais donner mon point de vue par rapport au tournoi, mes remarques, mes points d'amélioration et voilà. Sans plus tarder, le débrief. Bobo, lance le générique s'il te plaît. Donc voilà les gars, le Sénégal a joué un match extraordinaire, dominé de A à Z, de la tête aux pieds les gars. Franchement, cette équipe, elle est extraordinaire. Dernier dominé, match, yop, ils ont rien vu. Le Sénégal a bien débuté son match. Bam, salut 6. Comme je disais les gars, la théorie, salut 6. Il a débordé et puis voilà, penalty, bam, on a un penalty. Donc le penalty les gars. Penalty de Sadio Mané. Yo, kharaba ngane ke bambali, dana on de série penalty. Je pense que Bangane et Bambole dans ont des séries penalty en fait. Parce que man boy Dakar, on est que Dakar, on a tiré, on a joué Khaïs séries penalty, du double rec et tout. Voilà, il faut que nous l'ayons djangé séries penalty en fait. Mais bon, voilà, juste pour dire que Sadio Mané, ça se voit qu'il n'avait pas l'habitude de tirer les pénaux. Parce que voilà, c'est seulement lors de cette CAN en fait qu'il a hissé son niveau au niveau de cet exercice. Et donc voilà, Sadio Mané, avant, il avait vraiment du mal à tirer les pénaux. Mais voilà, là, actuellement, on l'a vu, il a primé sur la puissance au lieu de choisir la précision. D'ailleurs, la précision, il a bien choisi
lors de son dernier tir au but. Et voilà, Gatenga Lama. Sinon, revenons au tir au but, revenons au premier péno. Le premier péno de Sadio Mané, franchement, pour moi, il n'est pas bien tiré. Mais bon, voilà, actuellement, on n'a rien à lui dire et tout. Mais voilà, Sadio Mané, à cause de toi, j'ai perdu 10 000 euros. Bon, bref, ça, c'est un jeu, je vais en parler tout à l'heure et tout. Donc voilà, Tabaski, Khawma, Gabaski. Non, mais Gambi, sonon nenyu quoi, vraiment, Gambi, devenu sonon quoi. Nous devenons sonon. Sadio Mané, Bamba Dieng, Lounio Mougéné, Tabaski, Gabaski, Mandal, je comprends pas quoi. Mais bon, bref, donc voilà, le Sénégal, il a dominé son sujet. On était là, on était présents. Non, franchement, on a dicté le match. Et voilà, moi personnellement, avant le match, Bougonda a fait un débrief avant le match et tout, mais franchement, j'avais pas trop le temps. Donc voilà, moi, mon analyse par rapport à ce match-là, je savais que le match il allait être vraiment compliqué. Donc voilà, je disais aux gens de boire du thé et de ne pas stresser en fait, parce que ce match il allait être difficile. Parce que personnellement, j'avais prédit une victoire du Sénégal 1-0. Donc voilà, Sadio Mané, il a eu l'occasion, il n'a pas fait. Et puis voilà, après, on est parti au tir au but. Et franchement, tir au but, c'était stressant. Même moi, j'étais un peu stressé parce que le Sénégal, on n'a pas l'habitude de gagner des séances de tir au but. Mais bon, El Tactico, El Tactico, El Tactico, non, El Tactico, Mashallah. Parce qu'en fait, les gars, le football, ça se joue sur les détails. Donc, on a vu par exemple le gardien de l'Égypte, Gabaski. Gabaski, bah, il avait une bouteille où bah, il mettait en fait tous les joueurs du Sénégal, leur position de tir, là où ils ont l'habitude de tirer en fait. Et donc voilà, ça c'est les données, ça c'est les statistiques les gars. Là actuellement, le football, c'est les statistiques qui parlent. Donc, Aliou Cissé, il a pris en compte ces détails-là. Il sait que voilà, tout peut arriver, c'est une finale. On peut aller au tir au but. Et franchement, les 5 tireurs du Sénégal, ça se voit que c'est les hommes de tête. Kanmodoor, Kalilou Koulibaly, Capitaine Courage, Abdou Diallo, Bouna Sarr, Boy 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 Thiès Boubounou, Boy Boy dafa deuguer fit. Mais bon, malheureusement, il a pas marqué. Donc c'est pas grave. Bamba Dieng, je le répète encore une fois, c'est la troisième fois que je le dis. Bamba Dieng, futur pépite du Sénégal. Bon, franchement, masterclass. Le gars, il est venu, bam, Lucarne, Lulu, en plein Lulu. Le gars, ça se voit que c'est un Marseillais. Franchement, ça se voit que le gars, il a les tripes, quoi. Donc voilà, après Sadio Mané qui vient, qui délivre tout le monde. Donc sans plus tarder, attaquons la deuxième partie de ce débrief qui est l'analyse technique du match. Personnellement, je m'attendais à un match tel de l'équipe nationale du Sénégal parce que voilà, moi je dis que sur le papier et sur le terrain, on a largement les choses pour. Donc le Sénégal il a commencé en 4-2-3-1. 4-2-3-1 ou 4-3-3, peu importe, l'essentiel, voilà, c'est qu'on jouait avec 3 milieux de terrain, donc je pense que c'était plus 4-3-3. Quand le Sénégal avait la balle, quand on avait la balle, les gars, donc voilà, on voyait Nampolis Mendy qui venait s'intercaler entre les deux actions. Les deux actions, ils ouvrent, et donc du coup, les latéraux, ils sont offensifs, les latéraux, ils partent. Donc voilà, Sénégal, on jouait presque en 3-5. 3-5-2 ou 3-3-3-4-3. Parce que voilà, si on a la balle, les latéraux, ils sont hyper offensifs. Et donc, il se gagne le game. Bah, c'est lui qui gère le milieu avec Kouyaté. Et donc, il y a les trois attaquants devant. Donc, on va dire que c'est un peu du 3-4-3. Un peu une tactique de Chelsea. Et voilà, on voit que cette tactique-là, elle paye. Parce que les latéraux, bah, ils participent au jeu. En fait, ils amènent quelque chose parce qu'ils vont déborder. Ils vont faire des centres. Et puis voilà, on a vu que toutes nos actions, en fait, c'est les latéraux qui les ont amenés. Et sinon, sur la phase défensive, bah, franchement, les gars, moi, côté défense, j'ai pas de problème, j'ai pas de souci. Parce que Aliou Cissé, bah, il est quoi? Déjà, c'est un défenseur, lui. Il sait très bien que dans les compétitions comme la CAN, la défense, elle prime sur l'attaque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut savoir défendre avant d'attaquer. Donc voilà, on l'a montré, le Sénégal, c'est la meilleure défense de cette CAN ex aequo avec l'Égypte. Et donc voilà, sur la passe défensive, le Sénégal, il était en place. Les Égyptiens, ils pouvaient vraiment pas jouer
parce que franchement, tout le monde respectait les consignes du coach. Et on a vu que le Sénégal, on faisait un pressing de malade, un pressing après la perte de la balle de malade. Parce que Idrissa Gueye, son rôle, lui, bah c'est franchement c'est un chien. Idrissa Gueye, désolé du terme, mais le gars il lâche pas. Dès que le Sénégal il perd la balle, bah c'est lui que tu vois, il est au taquet, il presse le gars, il le laisse pas respirer. Voilà, on récupère vite la balle et franchement des fois on a failli marquer comme ça. Mais voilà, comme j'ai dit, l'Égypte, ils ont vraiment une bonne défense et ils jouent du Cholisimo. C'est quoi le Cholisimo? Bah, si vous connaissez l'Atlético de Madrid et vous connaissez Diego Simeone, bah, l'Égypte, en fait, c'est comme ça qu'ils jouent. Ils jouent le Cholisimo. Ils jouent le Cholisimo. Donc voilà, pour la troisième partie, la partie concernant les remarques, les points d'amélioration, bah, franchement, ce Sénégal-là, si on continue comme ça, si on est soudé, si on a le même slogan, si tout le monde est uni, franchement, je ne vois pas une équipe africaine qui peut nous battre. Après, les gars, on va jouer contre l'Égypte encore 2 matchs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on va partir au Caire, ça va être le feu. Ils vont être revanchards. Mais voilà, nous, on va tout faire pour avoir un résultat là-bas. Et quand on revient à Dakar, les gars, à Diamniadio, le nouveau stade, non, vraiment, c'est sûr que les Lions. Ils vont recevoir quelque chose de, ils vont voir quelque chose de malade en fait. Il y aura un accueil de malade parce que là, tout le peuple sénégalais va les attendre. Et puis voilà, par rapport aux remarques que j'ai vues, donc El Tactico, donc Aliou Cissé, bah il a compris enfin, il a compris, il a entendu, on dirait qu'il entend vraiment les critiques des gens et il s'est amélioré. Donc, par rapport aux remarques que j'ai faites, bah, on a vu que le Sénégal, on a du mal à compenser les blessures de Ismaïla Sarr ou autres. Donc voilà, nous, actuellement, on a plus trouvé des joueurs qui sont capables de jouer en ailier, des vrais ailiers. Pour terminer sur ma troisième partie, à savoir les points d'amélioration et les remarques. Donc voilà, les gars, on a vu, franchement, ce Sénégal, on a du mal à bien tirer nos coups de pied arrêtés. Aliou Cissé, il doit revoir franchement cet aspect de jeu parce que, comme je disais, le foot, ça se joue dans les détails. Et les coups de pied arrêtés, c'est des occasions qui sont importantes. Donc, on a vu franchement dans certains matchs, comme par exemple face à l'Égypte ou dans des matchs où ça sera vraiment serré, on aura besoin de ces occasions-là pour marquer, pour scorer. On a besoin d'une personne comme Henri Cévé et j'espère que voilà, le Sénégal. On aura cette personne. Je pense que cette personne était Crépin Diatta. Bon, avec son retour, je pense qu'il va nous aider énormément sur cet aspect. Mais voilà, les joueurs, encore une fois, travaillent à l'entraînement. Les coups de pied arrêtés, c'est important. Donc voilà, moi, je lance un message aux binationaux de prendre l'exemple sur Abdou Diallo. Prendre exemple sur Abdou Diallo, parce que franchement, Abdou Diallo, c'est un gars exceptionnel. Et puis de ne pas hésiter à venir parce que l'équipe nationale là elle est à vous aussi. Vous êtes des Sénégalais donc voilà, là actuellement je parle parce que voilà, les cadres ils vont bientôt partir, à savoir Cheikh Kouyaté et peut-être Gana Gueye commence à prendre de l'âge et même Sadio Mané, bah c'est peut-être sa dernière CAN en Côte d'Ivoire en 2023. Donc voilà, nous actuellement on cherche à préparer l'avenir parce que le Sénégal, bah, même si le Sénégal, il y aura des générations qui vont venir. Donc voilà, des joueurs comme Boubacar Camara, des joueurs comme Sofiane Diop. Donc n'hésitez pas les gars, venez ici, c'est votre famille, tout. Mais voilà, je tiens aussi à dire à insister que voilà, je sais qu'il est exigeant parce que voilà, le Sénégal, c'est vraiment bah, un pays de foot et tout. Mais voilà, il y a le football local qui est là. C'est bien ce qu'il a fait, le fait d'amener le quatrième gardien de Casasport. Donc voilà, moi, Aliou Cissé, personnellement, je le félicite. Parce que les gars, depuis que Aliou Cissé, il a le Sénégal a perdu 3 matchs. 3 matchs, je vous dis, les gars. Donc ça fait quoi? Ça fait plus de 6 ans, je pense. Un truc comme ça, vous allez regarder au niveau des stats. Mais le Sénégal a perdu 2 fois contre l'Algérie et une défaite contre la Colombie. Franchement, les gars,
à l'UCC. Chapeau, chapeau, chapeau à l'UCC. Du coup, je vais terminer cette vidéo par, voilà, par remercier tous les joueurs, mais voilà, par aussi donner mon bilan par rapport aux joueurs qui m'ont marqué sur cette CAN. Donc, Sadio Mané, comme vous l'avez vu, franchement, Sadio Mané, il a été revanchard. Sadio Mané, on l'a tous critiqué. Et voilà, il a montré qu'il était là pour prendre le lead. Il a pris le leadership de l'équipe. Et puis voilà, franchement, Sadio Mané, Ngatienga Lama. Et voilà, sinon, Bamba Dieng, futur pépite, je l'avais dit, Bamba Dieng a surveillé le gars, Donc, franchement. Pape Gueye, vraiment, top match aussi, le Marseillais. Sagana Il... Gueye, non, Mashallah, Mashallah. Parce qu'en fait, Sénégalais, ils ne voient pas en fait les efforts que tu fais et ton apport sur le terrain. Edou Mendy, Mashallah, Letoroi, Salif Sis, Arsène Wenger, Savoir Noko. Donc voilà, malgré l'âge, franchement, tu as fait le taf et tout, et tu as été là. Bonassa, même si Bonassa, malheureusement, et tout, mais voilà, big final, big final, big final. La paire. Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, non, franchement, rien à dire. Moi, j'ai rien à dire et tout par rapport à ces deux mecs et tout. Moi, déjà, de base, j'aime ces deux personnes. Donc, voilà, ce qu'ils apportent pour l'équipe, surtout le capitaine là, de Napoli, Koulibaly, non, vraiment, mashallah. Après, Sénégalais, Bailen quoi et tout. On est là, moment de joie, tout ça et tout. Gardez ça, aïe, portable, fille, voilà, un truc comme ça et tout. Bref. Mais bon, l'Oliop, aïe, détail, là. Donc voilà, le plus important, moi, le Sénégal, le 6 février 2022, donc voilà, 2022, Baini, Samogai, Big Last TV, 2022, donc voilà, ce moment, c'est un moment inoubliable pour tout On Sénégalais. attendait ça, on attendait ça avant, et vraiment, on est content, tout le monde est content, Sunny Mami, Sunny Yai, Nip, Gisgen Imaji, Sénégal, c'était le feu. C'était le feu vraiment. Et Alhamdoulilah, encore une fois. Donc voilà, on rend grâce à Dieu. Et puis voilà, les gars, les vidéos, ils vont venir. Ils vont venir et tout, tu vois. Je vais vous apporter. Je vais vous donner du lourd. N'hésitez surtout pas, les gars, à partager, voilà, à vous abonner et à aimer, à liker. Et puis voilà, on est ensemble, les gars. On est une team. On est une communauté. Franchement, merci pour tous les gens qui me soutiennent. Et puis voilà. À la prochaine, les gars. Thank you.